Bonjour, bienvenue dans la forêt du Rizou qui se trouve dans le parc Gérard-Audouin. Je m'appelle Rémi Mélan, je suis garde forestier. On est là, il n'y a pas un bruit, il y a juste les oiseaux qui chantent. Le cadre est hallucinant, quoi. C'est vraiment quelque chose de fantastique. Plusieurs casquettes. On doit faire attention à l'accueil du public, à la production de bois, parce que c'est une matière noble le bois, et puis à la biodiversité. Les arbres, bah, voilà, les coupes, ils ont 300-350 ans, donc on ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'il y a un impact sur une très longue durée. Et puis nous on est sur ça, de la vie d'un arbre, mais ça a une certaine influence. Qu'on fait avec le parc, ils ont un projet qui s'appelle Toile Verte. C'est des petites parcelles de biodiversité. Et puis ça fait 4 ans qu'on collabore avec pour revitaliser certains secteurs en forêt. On a une prairie sèche qu'on entretient, et puis un secteur, une gravière pour mettre en valeur les orchidées. Et puis, c'est des choses hors presque forêt et gros bois, mais qui sont enrichissantes. En forêt, on accueille souvent des classes ou des groupes de personnes qui s'intéressent à la forêt. Et puis ça, dans le cadre de notre métier ou en collaboration avec le parc, on fait toutes les activités qu'on peut pour rendre sensible la population, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes. Ça met en valeur notre la forêt, les travaux qui s'y font. Il n'y a pas que de la forêt, il y a aussi des pâturages, il y a des bois, il y a les personnes qu'on rencontre et les animaux qu'on peut rencontrer sur tout ce secteur. Et, en fait, c'est un métier, mais c'est une passion, et puis c'est une grande chance d'être ici et de profiter. Mes forêts, c'est les forêts d'un propriétaire de la commune, du Chenier, mais c'est vrai qu'on les gère comme si c'était mes forêts. Et puis tout ce que je peux améliorer, les petites touches, un arbre, une branche ici, c'est vrai que je le fais. Ça pousse contre l'extérieur. Mm-hmm. Ça pousse vraiment, il est tout petit, hein, on voit. Voilà, ça c'est un sapin blanc qui a une année. Ah ouais. Oh, c'est trop chou.